Et salut tout le monde, c'est Constant62, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hop, on est sur Eaglecraft. Vous allez le voir dans le titre. Donc, j'avais parlé d'une piste de ski sur cette montagne. Et donc, bon, vous voyez, j'ai un peu de dirt là sur moi. Donc, on va la faire. Donc, en fait, la dirt, en fait, c'est juste pour faire le support de la neige. Je mettrai en fait de la neige au-dessus. Enfin, ouais, parce qu'elles seront un bloc plus basse. Et donc, je pensais faire une arrivée ici. Et en fait, hop, ça aurait peut-être rongé, je sais pas trop, vers où. À moins qu'en fait, non, je vais peut-être faire ça. En fait, ici, je vais avoir une montée, donc avec un espèce de, un mini tire-fesse, avec une espèce de petite, avec une autre descente là. Mais en fait, le petit tire-fesse, il amènera une plus grande station. Non, je sais pas encore. Faut que je trouve par où, en fait, je veux le faire. Soit, en fait, je suis arrivé là. On aurait moyen de le remonter là, comme ça. Donc, en fait, en montant sur le bord, on va là, sur le long de la montagne. En repassant par là. Et, donc, en fait, ce serait la descente, hein, l'arrivée. Hop, et en fait on pourrait faire une petite station quelque part. Je sais pas, du type je sais pas trop. Je réfléchis en fait en même temps. À moins qu'on le fasse de ce côté-là. Ah ouais, je pense que ce serait mieux. À moins que non, on fasse la descente là, tout long. Et puis en fait on fait l'arrivée ici. Enfin non, le départ là. Oh, on descend par là. Et puis on arriverait en fait de par là. On ferait une montée là, hop, et une descente ici, et une descente par là. Personnellement, moi j'aurais bien les choses comme ça. Alors on va commencer par... parce que je vais le faire en vidéo ça. Dégager un peu de place pour... hop. Dégager un peu de place comme ça pour faire... la descente. On va tout remettre en bloc, hein. Oh bah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Hop. On remet tout en bloc, sinon après ça devient très très chiant. On va même... On va même détruire ça comme ça. En fait, pour pouvoir descendre là directement. Hop. Donc ce qu'il fait là. Donc là actuellement j'ai pas encore mis de dirt, hein, c'est parce qu'en fait hop, donc on arrivera directement ici et avec ce niveau là donc on aura juste à faire ça hop, pour transformer tout en boule de neige hein, pour éviter d'en avoir plein de stuff. Alors vous remarquerez que j'ai pas d'armure de toute façon parce que enfin j'en vois pas l'utilité. Ah regardez ici on a une belle vue ici à gauche, c'est très très belle vue sur moi. Donc on ferait une descente là. Fait une descente progressive de toute façon. Il va falloir qu'on terraforme un peu tout ça. Hop. Donc ici par exemple on va devoir. Je préférais plutôt qu'au début on mange un peu sur le terrain qui est ici. Que d'aller prendre en fait du terrain en contrebas. Parce que force au bout d'un moment ça crée un déséquilibre. Hop. Donc voilà, donc je préfère avoir ça là comme ça. Hop, donc on va pouvoir aussi élargir là ça comme ça. Et un bloc là, hop, voilà. Ensuite ici, je vais faire ça là comme ça. J'ai prévu le coup, hein, vous avez bien vu. Cette fois-ci, j'aurais prévu cette vidéo en partie en avance. Bah si c'était ça. Donc là ici 2 2 2. Si si là je devrais prendre ça. Parce que là hop. Là ici pareil. Pareil pour donc ça. Donc là ce qui fait quand même déjà une belle petite descente. On regarde là, hop,
Parce que là en fait c'est sur un bord donc c'est pour ça. Donc là ici je vais devoir tirer sur le côté. Hop, voilà. Désolé pour la voix. De toute façon la montagne on va un peu l'élargir je pense. Hop, donc là ici c'est un peu plus serré quand même. Un peu plus serré, vachement plus serré quand même. Hop, mais en fait, tout ce qui va bien, enfin, je récupère un peu de neige aussi pour pouvoir la remettre, enfin, sinon, enfin, je vais faire des quantités astronomiques de neige utilisées. Voilà, hop, hop, ici, là, comme ça. On va même en remettre un là, ici. Et un là, même, et hop. Ici là on s'en fiche un peu hop donc là je suis très bon au niveau de la descente. Regardez là ça commence en fait à ce que je voulais justement éviter. Regardez là ça commence un peu à dépasser ce que je voulais éviter parce qu'après en fait, je vais en retard pour cette zone. Après, en fait, ce qu'il faudrait, c'est passer par là pour tourner à gauche. Oui, donc on va faire ça. Hop, donc un petit virage là comme ça. Hop, voilà, comme ça. Donc ça fait en fait une petite surprise si c'est pas la même occasion. Et on peut même peut-être au final s'y faire ça. Comme ça, hop, on va voir ça là comme ça. On a une autre descente ici. Donc qui serait là comme ça. Donc là comme ça. Ce qui ferait que ensuite on fait jusqu'à je sais plus où. Je sais plus comment je vais faire. Quoi. Donc là ici on va faire un petit dérèglement dans ce qu'on fait habituellement. Enfin dans la série. Dans la série, dans, ouais, c'est dans la série, enfin, des tonnes de neige, là, de tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Ensuite, on va partir comme ça. On va partir un peu sur le côté, je pense que ça serait bien. Comme ça, en fait, c'est petit partir sur le côté. Là, comme ça, ouais, enclencher un virage. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Même si, je pense qu'on va le faire comme ça, le virage. Et là, ici, hop. Problème, c'est que j'ai plus rien pour remonter, et c'est ça qui m'énerve le plus. Hop. Ici, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait un truc qui tourne. Je vais me faire un escalier en dehors, parce que ça me saoule. Hop. Donc je disais donc hop hop et en fait là on va pouvoir faire ça ça et là en fait on va repartir sur une descente ouais là on va pouvoir repartir sur une descente en fait donc une descente un peu plus comme ça. Et je vais tomber à court de neige. Tout son vent fouillé, le neige un peu partout ici. Hop, voilà. Donc, de toute façon, vu que ça en dessous, ça va être caché. Hein. Donc là, ici, on a... Si je veux bien remonter. Donc là, actuellement, on a une pente avec un virage. Donc là, hop, hop, hop.
ici. Là, là, ouf, ici on va peut-être en rajouter, tiens, peut-être élargir ici, pour que ça passe mieux là. Après, si on rattrape ça comme ça, ici on arrive là comme ci, on arrive là comme ça, je pense, et là redescendre là comme ça. Ok. Personnellement, ça va comme ça. C'est la première fois qu'en fait je fais une piste de stylo, c'était excellent qui l'avait fait. Hop, j'espère qu'elle sera bien. Après, on ira regarder un peu ce qu'il a fait. Pour s'en inspirer, je pense que je ferai une ellipse entre les deux, entre le bord et le bord des pistes de ski en fait. Je crois que, oui, c'est vrai que dans mes souvenirs, il avait pas mal réussi. Puis je crois aussi en hors caméra une liaison avec la montagne qui est là en soi. Il y a juste là, on peut, je pense qu'on fera une espèce de petite falaise. J'ai appris à faire des falaises. Et ce qui permettrait en fait de faire ça. Là ici, on élargit juste un peu ça comme ça. Fait, j'aurais peut-être dû mettre directement ça. Hop, et là en fait, on va élargir comme ça. Hop, ouf. Hop. Si on voit que c'est ce bloc-là en fait, si on doit remettre un autre là, et un autre là. En fait, c'est utilisé deux fois plus de blocs, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, sinon, il gênait un peu le passage quand même, je trouve. Je trouvais qu'il gênait un peu le passage. Là, hop, 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 hop. Voilà. Ok, ça se passe très mal pour moi là actuellement. On va récupérer encore de neige là, mais en fait, c'est juste que je tombe très rapidement en cours de neige, à part si tout va bien en fait. Juste qu'en fait, le détail qui change tout, c'est qu'on n'a pas assez de neige. C'est le détail. Le gros détail. Parce que c'est pas un petit, hein. Hop. Et là, on s'en fait encore 8. Ce qui nous permet d'en avoir 24, ce qui est parfait. De toute façon, ici, ça va être sous la neige. Enfin, ça va être sous la piste de ski, donc. Tape un peu. On va même pouvoir faire ça avec celui-ci. Ah, parfait. Regardez, là, en fait, elle commence à s'élargir un peu, vu que c'est la fin. Hop, hop. Et là, hop, oh, la neige est partie par là. Hop, hop. Et ici, on va... De toute façon, après, on aura juste à rattraper ça comme ça. Il faudrait que... Je lisse. Après ça partir dans l'arbre si je fais ça. Parce que si on pouvait éviter que nos skieurs aillent dans les arbres, en fait, ce serait sympa, je pense, pour eux. Hop, hop, et ici. Bien, ça pourrait être amusant, tiens, j'y pense. En pensant à ça, oh, un refuge, mais comment dire, pas vraiment un truc, un hôpital. Un espèce de petit hôpital pour les skieurs blessés. Pourrait être ma foi très intéressant à faire. Hop. Et ici, tac tac tac. On a bientôt fini. Hop là, 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 et... Ah, peut-être qu'on négocie un virage là.
Si on négocie un petit virage là comme ça et que en fait on parte en par là en fait, je pense que ça dérangerait pas trop et que ce serait même plus conseillé. Pareil pour nos pauvres petits skieurs, hein. Pensez à eux. Mettez un pouce vert si vous pensez à nos pauvres petits skieurs de Mongle qui pourraient se prendre des arbres. Mettez un pouce bleu parce que vous les aimez. Ouais, hop, ouais, bon, ça après je le ferai, je pense. Un champlain de réflexion en fait. Parce que si je fais ça, ok, mais ça veut dire que je dois élargir là. Et que ensuite, non, on va falloir. Ouais, non, en fait, le mieux ce serait quand même de le faire tomber là. Hop, hop, on récupère des boules de neige. Donc là, ils arrivent comme ça. Hop. Hop, hop. Et là. Là comme ça. Et là, normalement, on rattrape cette piste-là. Enfin, cette piste, c'est pas vraiment une piste ici. Hop, on rattrape sur cette partie-là de la ville. Et là, hop, si je veux bien réussir à crafter mon bloc de neige, en fait. Bloc de neige qui aime bien me troll, visiblement. Et là, en fait, on revient là, comme ça. Même moyen, en fait, qu'on détruise ça. Et qu'on agrandisse là, ça comme ça. Ça fait une belle petite piste de ski en fait. Hein. C'est quand même une trotte. Hop, hop, bah ça réussira là comme ça. Hop. Et hop, même là comme ça, ils pourront venir là comme ça. Bon, c'est vrai que ça fait une belle petite piste de ski. Je pense, surtout le début, il faudra que je vois en fait. Si on modifierait pas, cette terraformation, ça je le ferai en hors caméra. Je vous montrerai le résultat, je sais pas quand. Sûrement dans une prochaine vidéo, parce que je pense que j'aurai la grosse flemme de finir et de d'ici là la sortie de la vidéo en fait. Pour mettre ça à la fin. À moins que, quoi que. Oh le lapin. Le lapin d'ailleurs qu'on va le renommer. Ah oh, j'ai trouvé une idée, c'est ce qu'on pourrait faire avec le lapin. Mais malheureusement pour vous, c'est pas la partie de cette vidéo. Alors, on va aller regarder ce qu'il nous avait fait le X-Diamant pour le côté des. Il a mis des petites barrières là comme ça, bien sympa. Ah ouais, des barrières. D'accord, bah, il a mis des barrières. Il met des barrières. Ok. Bon. Bah, on verra ça, je pense, dans la deuxième partie de la vidéo quand j'aurai refermé des barrières. Bon bah voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite après. Et re tout le monde, donc je suis agréablement surpris. Bon, en fait ça fait bah, depuis en fait c'était hier j'ai tourné le début de la première vidéo. Et là je suis agréablement surpris parce que le 1 rue du ski donc qui appartient à Rigor a été aménagé. Donc bah, je le remercie hein, pour cette petite maison. C'est sympa ce qu'il a fait. C'est très sympa et ça me donne quelques idées. En fait, j'étais surtout venu voir à la base s'il y avait une table de craft dans cette maison. Le profiteur. Hop, hop. Et voilà. Non, en fait, j'ai bossé un peu entre deux quand même. On va rajouter. J'ai plus de neige, c'est pas grave. Donc voilà, on va rajouter un peu de barrière en fait là sur les bords. Il y a pas une occasion en fait si vous vous demandez ce que j'ai fait pendant ce temps-là soit en fait là tout à l'heure j'étais en train de télécharger enfin j'ai joué à Adventure Capitaliste qui est un très très bon jeu franchement je vous le conseille pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu du jeu où est-ce qu'il faut cliquer est-ce qu'il faut pas mal cliquer et c'était Gravity je filme parce qu'il faut pas mal cliquer en fait au début et puis après bah, c'est tout seul et c'est vraiment enfin c'est pas vraiment un jeu de gestion enfin si
Mais c'est plus vraiment voilà dans le clic. Où est-ce qu'en fait on clique pas possible au début pour tout simplement générer du profit capitaliste, hein, aventure capitaliste, donc l'aventure dans le monde du capitaliste, donc de l'argent, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, je t'en rends jouer à ça tout à l'heure, d'ailleurs je vais retourner une fois que j'aurai fini cette vidéo. Ouais, je sais de bon visionnage, personne n'a vu cette vidéo, bah dont toi mon cher Gravity, hein. Je sais que tu es abonné, que tu regardes mes vidéos, je le sais. Bonjour Marc. Je remarque surtout un phénomène sur ma chaîne. C'est qu'en fait, les vidéos sont pas tout de suite avec beaucoup de vues, mais plus en fait elles vieillissent, plus bah elles reviennent en fait à ce que je me suis mis un peu comme norme de comme moyenne de vues. Et donc c'est sympa en fait de voir qu'il y a toujours, même si en fait ça fait pas tout de suite le gros boom, le truc qui fait beaucoup de vues en fait dès le début, bah c'est pas grave parce que je sais que je le ferai après. Et c'est ce qui me donne, enfin c'est une conclusion qui m'a donné le courage de refaire des vidéos. Et surtout que Eaglecraft, bah je vais essayer de revenir. C'est Constant, c'est peut-être pour savoir si ce sera une piste de ski. Eh ben oui, mon cher ex-diamant. C'est une piste de ski, effectivement. Je pense que tu vas venir y mettre tes pattes pour la modifier. Bah j'espère en tout cas, parce que je suis vraiment le meilleur constructeur que moi pour une piste de ski. Tu auras ce message dans cette vidéo de toute façon, parce que je sais que tu regardes aussi ma vidéo. Voilà. Bon, petit coucou à lui. Enfin, je dis ex-diamant, en fait, maintenant c'est Holdeor. Une fois en fait moi j'ai hâte en fait c'est de finir Maul, enfin, de ce que je veux faire à Maul en fait pour passer sur du enfin pour retourner en fait sur notre ville, parce que en fait toujours gérer Maul, enfin je sais pas trop, peut-être faire des villes comme ça, faire pas mal de petits trucs, faire des petits chantiers par-ci par-là, puis un de ces quatre hop peut-être revenir sur Maul. Je filme. Peut-être repartir sur une autre ville, peut-être repartir peut-être sur Chinesia avec l'accord de. Peut-être reprendre Chinesia, j'ai deux trois, enfin j'ai deux trois projets qui me trottent dans la tête. Et on a un Gravity ici. Qui mange des carottes tout comme moi. Je t'ai vu. Je filme ma nouvelle vidéo. Tiens. Hop, on va juste chercher un peu de bois si j'en ai. Pire, c'est pas grave, j'ai un petit truc de farm qui a été installé. Légèrement, hein. Quand je dis petit, ça veut vraiment être petit, hein. Mais bon. Hop, voilà. On récupère ça. Et ici. Hop. Juste que je regarde aussi si j'aurais pas des trucs quelque part. Voilà. Et ici, bah, visiblement, j'ai pas de choses comme prendre un peu de pierre taillée pour faire ça. Moi, ce que je propose, de toute façon, en fait, c'est d'installer le télésiège en haut, et enfin, d'installer peut-être la base du télésiège, le contour, du moins. Et on continuera, enfin, pour juste le positionnement, et puis on continuera ça dans une nouvelle vidéo sur mon... D'ailleurs, je sais même plus parce que je suis dans mon compte de vidéo. Donc là j'ai vraiment beaucoup envie en fait de reprendre du Eaglecraft, donc regardez, on voit un peu la truc, ce serait un peu mieux je pense, combien t'es de maison, pas grand chose. Elles sont petites, elles sont mignonnes, alors je le fais pas cher, c'est pas le but non plus de me faire du profit à l'infini. Les prix sont dessus. Mais c'est en fait ce serait, bah si en fait j'aurais bien augmenté un peu niveau monnaie, mais bon c'est pas ça qui m'intéresse. Contrairement à d'autres serveurs comme sur Nationally, où est-ce que là je cherche vraiment à faire beaucoup de profit pour développer mon pays, là en fait j'en ai pas besoin forcément pour développer mon monde, et c'est ça que j'aime bien aussi sur Eaglecraft, c'est que c'est pas une course à l'argent comme sur d'autres serveurs. C'est ça qui restera toujours pour moi. C'est pour ça qu'Eaglecraft restera toujours pour moi mon petit serveur. Mon petit serveur bien sympa avec la petite communauté qui va dessus avec. Et enfin franchement je pense que c'est pour ça aussi que j'y suis toujours, même après tout ce temps. Hop, bah on va juste mettre allez, pas grand chose au niveau des murs. Donc au niveau, donc je vous explique, il y aura juste en fait un truc qui viendra de là ici en bas, hop,
qui va monter de la tac tac. On va faire ça, même si j'aurais bien avoir peut-être un mur légèrement plus grand. Donc ici on va voir ça. Nous en fait je rentre quelques pieds aussi dans ma tête. Parce qu'ici en fait on va avoir une bûche. Ici aussi, donc là hop. Hop. Donc là tout le long. Ce bloc veut bien se passer, hop, merci beaucoup. Bon, on va juste faire ça en fait parce que j'ai pas de bûche. Faire un étage sous-sol. Non, je veux pas qu'on modifie mes maisons. On a le droit d'habiter dans l'étage. Mais on n'a pas le droit en fait de modifier. Modifie pas les maisons, point barre. C'est ce que j'ai à dire, quoi. Je pense qu'en fait, je passe du temps à les construire. Ah bah, hey, il neige. Oh, sympa. Mais je passe du temps à les construire, c'est pas pour, en fait, idée. Parce que si je dis oui à quelqu'un, il y en a d'autres qui vont vouloir le faire, et ça va partir en n'importe quoi. Et hop, ici, dernier pilier. Dernier truc sur le côté. Il y aura le toit qui sera là. On va voir ce que ça donne. On verra tout ça dans le prochain épisode. Bon, sur ce, bah, au final, je modifierai jamais mon skin parce que flemme de le faire. Et surtout qu'en fait, je me suis trop attaché pour le modifier. Voilà, on va se laisser, c'est enfin, moins de manger une carotte. Même si j'ai pas les particules parce que j'ai réduit les particules, bon, bah, je vous laisse. Abonnez-vous, lâchez des commentaires. Parce que ça, j'en ai pas beaucoup des commentaires. Mais je sais que ma communauté est un minimum actif. Bon, allez, à plus, il y a Legendre Val là, qui est là. Donc, c'est un bug. Mais il y a Gravity qui est là-bas. Bon, allez,